Eh bien, re, les amis, parce que je vois que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas revu parce que ben, il n'y avait pas de jeu qui était sorti, normal. Et comme vous me connaissez, je joue qu'au top du top. Bon, ben, j'ai attendu Last of Us, maintenant qu'il est là, c'est parti, j'en dis pas plus. Ah, on a des bonus, c'est quoi ces conneries? Bon, on s'en fout. Allez, go. Normal. D'expérience, je sais qu'un jeu il faut le mettre en difficile pour vraiment bien en profiter, mais on va rester en normal parce qu'ils sont compliqués ceux-là. Appliquer le bonus de précommande. Oui, on va pas se gêner. C'est quoi d'ailleurs? Déverrouille l'amélioration capacité pour les munitions, le pistolet semi-automatique et le manuel d'entraînement. Confection. Active le contenu bonus lié à. Ok. Allez, go. Nouvelle partie, yes. Last of Us 1, c'était une fenêtre dans un truc délabré. Là, c'est un bateau. Ce sera quoi dans le 3? Une échelle. Ah, c'est le temps de chargement. Mort de rire, j'ai arrêté de parler parce que je croyais qu'il allait se passer un truc. Ah, c'est sympa. Ça change des sports parce que dans le 1, c'était un écran noir avec des sports qui flottaient dans l'air et c'était agréable quand même. Bon, vas-y, on va voir ce que ça donne. Et je crois que ouais, c'est dommage, il y avait la mélodie dans les temps d'attente. Du 1. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais censé la conduire jusqu'aux lucioles et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire de remède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu? Je l'ai sauvé. Quel merdier.
Ellie est au courant? Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi? Elle a jamais dit le contraire. On devrait y retourner. Ah, mais ça... Attendez, deux petites secondes. Voilà, hop, je voulais juste voir un truc. D'accord, on a les petits tutos aussi pour nous rappeler de tout et n'importe quoi. Bon, si je suis rouillé, c'est pas grave, hein, mais j'ai grave géré le 1. Il faudra que je me réhabitue. Par contre, j'aurais fait la même chose. Pour quelqu'un que j'aime, j'aurais laissé le monde entier mourir. Je m'en fous. Ah, c'est pas ça le panneau, là, dans la bande-annonce? Attendez. Avec les bois là? Non, ça. C'est magnifique, on s'y croirait quoi. J'esquive les fougères et tout. C'est-à-dire qu'on est encore sur PS4, si on était sur PS5, le graphisme serait phénoménal. La mise en scène, la classe, avec le soleil qui se couche, le temps doré, magnifique. Voilà, c'est bien. Ah, c'est ici qu'on était au quand on a terminé l'épisode 1, et c'est drôle maintenant, c'est ici qu'on commence le 2. Quel message fort et vraiment profond. Que des sentiments, que ça commence bien. Je passe le premier. Je vais peut-être le laisser lui, non? Bon, allez, oh. Allez. C'est bon, je m'en occupe. Vas-y. T'es sûr? Ouais. D'accord. Et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. Plus tard, Tommy.
Eh ben dis donc, ça c'est un bon browser. Un very good browser. La vache, tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte, mais... Salut. Salut. Tu voulais quelque chose? Rien de spécial. Tu sais... Tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon... dont tu sais te rendre utile. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Joël, écoute... Il est super tard et je dois me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps, c'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Qu'est-ce que c'est? Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sandek. Je peux te jouer quelque chose? Ok. Super. Tu me promets que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Compte sur toi. Ah, c'est moi qui dois jouer en plus. Mais putain, on va mal utiliser elle pour choisir un accord. Faites glisser le pavé. Ah, c'est génial. Ah merde! Ils lui ont trouvé une utilité au pavé tactile pour une fois. I can see our future days, days of you and me. Et voilà, c'est tout. Eh ben.
t'es pas si mal. Je prends ça comme un compliment. Elle est pour toi. Oh non, 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 je saurais même pas je comment t'ai la tenir. Que je t'apprendrai à en jouer. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais d'une première leçon demain soir? Pendu. Ok. Ok. Est-ce que... la blague t'est revenue? Tu sais quel est le comble pour une horloge? C'est de devoir tuer le temps. C'est vraiment dépit. Allez, dors bien. Non, non, pose ça. Plus une blague est débile, plus elle est drôle. Je voulais le dire, j'attendais juste qu'il y ait un trou pour que je puisse le caler. J'espère qu'elle les a eu ces cours de guitare quand même, faut pas déconner. Salut. Bonjour. Désolé, j'ai dormi trop longtemps, je m'habille et j'arrive dans une minute. Il paraît que t'as passé une drôle de soirée. Je... elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. Ça voulait rien dire du tout. Je parlais de ton engueulade avec Seth. Attends. T'as embrassé Dina? Ah. Oh. Je croyais... On est séparés depuis une semaine et tu bécotes mon ex? Non. Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux, moi je voulais pas... Oh, putain, c'est trop gênant. Tu vois pas que je te fais marcher. Je m'en fous, ça va. Va t'habiller. Oh, t'es bien con. Hé hey. C'était quand même pas très cool. Waouh, les ados, et c'est parti! Allez, les histoires d'amour, allez. Ça pue pas. Ouais, attends, attends, quand même, faut pas déconner, espèce de cochonne, va. D'accord, on peut rien faire. Ok, je voulais quand même que tu te laves un petit coup. D'accord, y a pas des. Je vais regarder s'il y a pas des petites. On a un coup. Oh putain, son couteau! Oh là là, comment il nous sauvait la vie dans le 1. Joël, il cassait tous ses serins. Elle, elle avait le truc infini. Je suis fatigué. Elle a une pièce. Mais t'as la 3. Ah, c'est vraiment la fin du monde. C'est quoi ça? Beltrix Weiler. Béatrice. Là, on a ça. Il y a des photos, je vais les regarder. D'accord, donc c'est celle-là, là, la meuf, la Béatrice. Elle a dessiné et tout, en gros. Ouais, elle a dessiné. Je crois que le baiser, en fait, il veut dire plus de choses qu'elle ne veut en dire. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Allez hop, prends ta veste, espèce de crasseuse, va. Tu t'es pas lavé. S'il te plaît, prends ton couteau avant de partir. Allez. Yes. Oh putain, génial. Joël est réveillé. On a repéré les infectés au nord. Maria l'a envoyé en patrouille avec Tommy. Ça craint. Ouais. Ils ont pas dû beaucoup dormir. Pas autant que toi, en tout cas. Arrête. J'allais justement me lever.
Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut? Ouais. Bon allez, maître Shifu. Ting Tan Chong, on est parti. Je te préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Ah, pourquoi? Attendez, je suis okay, désolé. Petit résumé. T'as embrassé Dina. C'est elle qui m'a embrassé. Ce qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Ah, il me suit, ouais. D'accord. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. Elle veut pas être protégée. Bizarre, Jessie. Plutôt mouvementé. Désolé de pas être resté. Je suis désolé parce que connaissant le jeu, les secrets, y en a en veux-tu en voilà. Limite, faut que je regarde dans ses chaussures à ce petit chinois là, s'il a pas deux trois petits secrets sous la semelle. Non, là-bas il y a un compteur. Bon, allez hop, allez. Au pire, je referai le jeu une seconde fois plus en détail. D'accord, ok. Bon, ok. Vous faites juste partie du décor, vous. Ils ont des serres. Faites attention à vous, comme toujours. Putain, je peux pas m'en empêcher. Allez, allez. Je m'en fous, j'ai payé le jeu. J'ai l'acheté avec mes sous, je regarde. Ok, y'a rien. Ok. Maria veut te parler. Elle est où? Resto. C'est à propos de Seth? Aucune idée. Dis-lui que tu m'as pas vu. Tu rêves? Hey, c'est vraiment pas cool. Désolé. Ah oui, la galanterie. Ah oui, d'accord. Eh, hey, donc... Tu m'en veux pas, hein? Toi? Non, pas du tout. Dina et moi, c'est du passé. Je sais, mais je veux pas que tu penses. Ellie, tout va bien. C'est promis. Merci. Honnêtement, ça me dégue qu'elle soit lesbienne parce que je me faisais une idée. J'avais vraiment une image, une idée ancrée en moi de Ellie et c'était pas une lesbienne. Après, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Ça détruit l'image que je me faisais d'elle. D'accord, allez hop. Salut mon vieux. Oui, ça fait du bien. On se croirait dans un country quoi. Salut Jessie. Oh, elle arrive. Ah bon, les ragots? Bonjour. Bande de bâtards. C'est grave, les nouvelles vont vite. Ah, j'ai bien aimé, ils parlent et je les ai entendus. Ça me rappelle le truc de tannage dans le jeu là. The Last Day on Earth. Mais ils m'ouvrent jamais la porte, mais c'est quoi? C'est dans les montagnes du Pérou que t'as appris à être mal élevé comme ça? T'as envie d'un petit déj? Non. Où est Maria? Derrière. Mal élevé. Hein. On va faire un petit tour, ils ont à peu près tous la même gueule. Pardon. Poussez-moi, excusez-vous. Bien, je t'attendais. Seth voudrait te dire quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Oh, d'accord. Seth, viens là. Au secours. Salut. Écoute, hier soir, j'avais un peu bu. Ouais. J'essaie juste de m'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dina.
J'ai préparé des sandwichs. Ok. À la viande. Merci, Seth. Ouais. Bon. Soyez prudente. Ouais. Je te remercie, Ellie. C'est quoi, ça? Sandwich de fanatique. Ça sent bon. Prends-les. T'es sûr? Vas-y. Je vous raccompagne. Ok. T'es une vraie emmerdeuse. J'ai l'impression qu'Ellie s'est devenue une grosse connasse. Ah, qu'est-ce que je disais? On va avoir une collection d'objets du coup. The In Twins. Brain et 80 Brown. None. Bon, allez hop, on l'arrange. Ni vu, ni connu. On prend tout, nous, on se sert. Par contre, je suis désolé, les épisodes, ils dureront des durées indéterminées, donc me faites pas de réflexion. Tu relèves Tommy et Joël. Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. Bien pour vous. Ils devraient être au poste de Gaynor West un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. J'avais prévu de vérifier la route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière? Non, pas vraiment. Oh. Dina la connaît bien. Elles pourront y aller ensemble. C'est réglé alors. Le bébé, il marche comme un claqueur. Ellie, je peux te parler une seconde? Ça va? Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Maria... Il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûr? Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudente. D'accord. Hé, Dina! C'est l'heure! 2 secondes, j'arrive! Tu peux dire à ta copine d'aller aux écuries, s'il te plaît? Dina, je peux te parler? Hé hey, les gars, je fais une pause. Oh non! Ça va durer longtemps? On lui jetait dans le dos un moment. Salut, salut. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave, je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et je... T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Ok. On devrait se mettre en route. Ouais. Ah, ça va pas, non? Je joue pas avec vous, moi! Quoi, t'as la trouille? Vraiment, ce gamin. On lui met la misère. Ouais, bonne idée. Vous l'avez cherché? Qu'est-ce que je disais? Oh, ah, ça va faire un bon entraînement de visée, du coup. Alors, lancer rapide. Hop là! Salon! On est pas encore foutu, Ordonnade! Je vais t'attraper! Ah oui, je faisais comme ça, je me rappelle. J'allais au front et je tapais dans le tas. Ah merde, salaud. Dans ta gueule, ce gamin. Le dis pas à ta mère. Je vais venir te botter les fesses. Il faut les prendre sur le terrain, ils visent vraiment bien. Merde. Tu ferais mieux de te cacher. Dans ta face. Ah, j'adore. Ah merde, salaud. On peut pas s'accroupir? Tes parents t'aiment pas! Galet, tes parents t'aiment pas! C'est vraiment un règlement de compte au final! Ah merde, salaud! Je sais où t'habites, Alex!
Ah merde. Je te vois. Allez hop. T'as de la neige dans les cheveux. Aïe. Qui t'a fait ça? Si t'étais pas un bon. Oui. Aïe. Vache. J'en ai dans mes vêtements. Merde, comment ça croupit? Merde, oh fais chier. Ah voilà, rond. Allez hop. C'est pas juste. Mangez ça les crevettes. Alors ça fait quoi? Non, sur elle. Vous allez pas vous en tirer. Allez, on va les relever. Je l'ai bien mérité, non? Ouais. On y va. Eh bien, j'allais dire... je vais peut-être m'arrêter là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'arrête là. Ça fait une trentaine de minutes. Au moins, là, je contrôle... je contrôle bien le vibe. La vibe. Bon, on s'arrête là. Je reprends tout de suite. Ah là là.